Ben, je crois qu'il faut qu'on trouve un équilibre qui est à rechercher en permanence, hein, qui n'est pas jamais acquis définitivement, comme tout équilibre. Un équilibre entre, d'une part, une obligation d'être à l'écoute, d'être en permanence à la recherche de solutions nouvelles. On ne peut plus se dire que la politique, c'est de répéter les solutions qui ont été en œuvre antérieurement. Il faut faire du sur-mesure à chaque fois. Donc être à la fois en permanence à l'écoute et en même temps pouvoir aussi prendre de la distance, parce qu'on ne peut pas être intégralement, totalement dans la décision, sous le coup de l'émotion, dans la précipitation, dans l'immédiateté qui est mauvaise conseillère. Il faut qu'on ait la volonté et l'organisation pour prendre un petit peu de distance aussi, pour s'élever au-dessus de la première réaction, de la première émotion et trouver où est l'intérêt général en prenant non seulement le problème nous est soumis immédiatement, mais en le replaçant dans un projet d'ensemble, une vision pour la société qui est plus large. Donc il faut qu'on trouve cet aller-retour entre l'écoute, l'immédiateté et puis la hauteur de vue, si je puis dire, et l'aspect prise en compte de l'intérêt général. Et voilà, c'est ça un peu, et avec les nouvelles technologies de l'information, avec la volonté de nos concitoyens de voir rapidement apporter des réponses, avec l'inquiétude aussi qui naît quelquefois quand les réponses n'arrivent pas, c'est pas facile de trouver le bon équilibre, mais ça fait partie des charmes et des choses qui sont excitantes dans la vie politique.